Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour pas BioShock. Oui, vous allez encore gueuler. Mais débile, on a ras le cul. Tout ce que tu fais, c'est prendre des autres jeux à part BioShock, on en a marre. Oui, mais désolé, mais j'ai fait un épisode de BioShock, vous l'avez vu hier. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le jeu a crash. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Alors, attendez, je vais essayer de... Vous voyez l'envers du décor, ça ne me plaît pas. Ah non, mais c'est bon, je vois le timer au-dessus, donc c'est bon. J'essaie de faire afficher le timer en bas, mais ça ne se fera pas. Alors, étant de... En fait, j'ai un problème avec... Avec, comment... BioShock, c'est-à-dire qu'il crache constamment dans la zone Hephaistos. Alors, je vais essayer de modifier ça en baissant les graphismes du jeu. Ça va pas vous plaire. Mais c'est comme ça. Alors, en attendant, je vais jouer à Wonder Boy ou à Wonder Girl ou à Wonder Boy ou à Wonder Girl de Dragon Strap. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Les plus vieux d'entre vous pourront dire Wonder Boy, mais je connais! C'est un vieux jeu, c'était sur ma Game Gear! Déjà, on dit la Game Gear et pas la Game Gear, alors. je ne sais, je sais, c'est un jeu Sega, ça je sais, et celui-là, particulièrement, a été créé par un studio français fan du jeu. J'en sais pas trop plus parce que moi je n'y ai pas joué dans le passé. Tout ce que je sais, c'est que le jeu, on m'a dit, est rétro-compatible. D'ailleurs, j'ai trouvé cette petite touche, regardez, rétro-moderne, pour avoir les bruitages. Rétro ou moderne, je vais jouer en moderne évidemment parce que c'est un peu plus beau. Oh! Tu es en train de comparer? Non, je compare pas. C'est juste que... Ça fait mal aux oreilles. Oh, c'est doux. Et donc, on peut apparemment jouer Wonder Boy ou Wonder Girl. Et comme on n'est pas des filles, nous, on va jouer Wonder Boy. Alors, à savoir que j'ai fait un test. Alors, l'aventurier classique qui a troqué son skate contre une épée. D'accord, t'avais un skateboard Ta gueule! Ok. Ce garçon téméraire sillonne Monsterland à la recherche du Mecha Dragon. Coiffure impeccable. Et là aussi, on a une coiffure impeccable. Peut-être qu'on peut débloquer. Alors on va commencer en mode normal. À l'oreille de Monsterland. Après avoir surmonté moult obstacles, tu pénètres dans le château. Blablabla. Ta destination, la chambre du redoutable dragon. Alors, à savoir que j'ai pas joué, mais tu es à mille lieues de te douter que le dragon est capable d'ensorceler ses ennemis. Oh. Alors, je n'ai pas joué à Wonder Boy. Oh, c'est beau. Ça donne quoi en rétro? Je me demande si. Oh oui! On peut le mettre en mode. La musique des temps modernes, ça fait aucun sens. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je suis un peu plus fan de. On vérifiera quand même de temps en temps. Hein. Ah! Je me fais déjà poutrer comme une merde! Ils utilisent ma technique de saut! Ce sont des monstres! D'habitude, c'est moi qui saute sur les ennemis! À la fin de l'envoi, je touche! À la fin de l'envoi! Mais vous allez mourir, oui! Enfin! J'ai fait un test son, ça marchait très bien. Ah, et voilà le son moderne. Oh, la musique. What? Ah non, tu mourras pas cette fois. Approche, plante-toi dans mon épée tout seul. Par contre, l'animation, mais regardez-moi ça. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça a été animé à la main. D'après ce que j'ai lu dans les commentaires en dessous. Parce que j'ai toujours voulu jouer à Wonder Boy, mais bon... Sur émulateur, vous avez vu, hein. Voilà. Ça donne moins envie. Après, vous allez gueuler. Mais David, c'est comme ça qu'on voulait jouer le jeu! Oui, d'accord. Mais moi, je préfère quand même un peu comme ça aussi, parce que regardez-moi ça, c'est beau. Bon, ici aussi, c'est beau pour l'époque. On va dire.
C'est le seul autre endroit, donc... YOLO. Aha! C'est des devil bots de démons! Aha! La suite du donjon. Elle était en dessous. Il faut une clé, je parie. Par contre, je sais pas si je peux utiliser mon bouclier. On va voir si... Le bouclier fonctionne si je m'abaisse. Je sais pas si je peux me servir du bouclier ou pas en fait. Commande. Non. Bon, on verra bien plus tard. Par contre, contrairement à Castlevania, on peut pas péter les torches, ça me trouble. Ils sont spoopy. Des spoopy sparis pelétons. Je crois qu'on entre dans le domaine du méca dragon. Regardez, c'est mécanique. On va donc entrer dans... Déjà le boss ? Alors ça ressemblait à ça, hein. Et là ça... Il a pas trop changé, aïe. Alors pour comment je sais pour la faiblesse du boss, j'ai fait le test son et je suis allé jusque là donc mais j'essaie de reproduire en fait les mêmes étonnements que j'ai eu tout au long de ce début de jeu. Ah, par contre il me fait poutrer, ça n'ira pas. Tout dragon a un point faible, sa tête. Ok, mais je m'en doute. Le problème c'est qu'il avance aussi vite que moi. Mais punaise, mais pourquoi tu t'avances maintenant, on va te reculer. Ah, il prend de l'assurance, ce dragon. Tiens, prends ça, salopard de Pratonien. Tu ne peux rien contre moi, j'ai de la vie. D'ailleurs, je remarque qu'elle ne descend pas beaucoup. C'est pas comme dans les Legend of Zelda où on perd un demi-cœur à chaque coup. Ou parfois un quart de cœur parce que t'es tombé dans la flotte. Oh, mais quand je le fais défonce. Oh, mais ça va pas le faire si je suis comme ça tout le long du jeu. Espérons que c'est comme dans tous les jeux, c'est-à-dire qu'ils ont mis les boss les plus durs au début. Qu'est-ce que... Mais je suis devenu... Quoi, là? Wow. Eh, pour l'époque, regardez-moi ça. C'est un très joli sprite, hein. On aurait bien voulu avoir Spyro comme ça, hein. Si Spyro avait été sur NES, il aurait pu avoir un look comme ça. Moi, j'aurais joué. Hein. Oh. C'est un item de feu. Comment j'utilise les items? Ok. C'est le seul autre coup, quoi. Donc, je suppose que maintenant, je peux utiliser la clé. Je me disais aussi qu'il y avait un problème avec la musique. J'espère que je vais pas avoir des droits d'auteur. J'ai plus qu'un cœur. Franchement, je préfère la version là. Regardez-moi ça, tous ces beaux crânes. On est dans les catacombes. Alors, à savoir que je pense que... Du coup, les développeurs français... Ah! C'est un escalier. Ont dû faire avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ces sprites-là, et qu'ils ont dû imaginer tout le reste. Moi, je respecte. Personne les squelettes en normal. Oh! Ils ont quand même de la gueule, hein. Y a pas à dire, ce jeu, que ce soit cette version-ci ou l'ancienne, le jeu, il a de la gueule. Alors, à savoir que là, le jeu est à 20€ sur Steam. Très franchement, je regrette pas mes 20€. C'est un peu comme un jeu que j'avais joué sur Xbox qui était gratuit à ce moment-là, Dust. À présent, poursuis ton aventure épique.
D'accord. Wonder Boy, The Dragon's Trap. Et donc ça c'était que l'intro. Le vrai jeu. Bonjour, cher dragon. N'ayez pas peur de moi. De moi. Pense trop tard. Waouh, avec une tronche comme la tienne, j'irai me dégoter à l'antidote. Ah, avec une tronche comme la tienne, j'irai me dégoter à l'antidote. Ok. Enculé. C'est du racisme, ça, monsieur. Un puits. Mais je respire pas sous l'eau, les dragons, ça respire pas sous l'eau. Et ça nage pas non plus. Oh. Ça fait quoi ça? Ok, du vent. Des Krabby Coqs. C'est un super platformer, je me demande du coup si toutes les eaux me sont possibles, alors on va essayer. Oui, toutes les eaux me sont possibles. Et même les flammes dans l'eau ne sont plus un rêve. Bon, à mon avis, il va falloir que je sorte vite d'ici avant de mourir noyé. Quoique, il a pas l'air de souffrir. Il a plus l'air d'être handicapé que qu'autre chose. En fait, si ça se trouve, je suis même pas un dragon, je suis devenu un crocodile. Ah, oh, c'était. Ah, oh, mais c'est ma vie, du coup, les potions. Ok, du coup, je ne peux pas avancer. Bon, j'espère que. On trouve quand même des potions. On a des Krabby Coqs ici. Mais je ne peux pas nager. Donc je suppose que j'aurai une upgrade avec des branchies ou des nageoires. Quoique sur la pochette de... Ah d'accord. Alors c'est ça, c'est pas des boss. En fait je pensais que les images qu'on voyait... Ah non. J'avais déjà vu en fait les images du dragon. Mais je ne me doutais pas que c'était... comment. Mais je ne me... En fait, c'est les transformations de Wonder Boy, d'accord. Du coup, en fait, je vais avoir le poisson. Je me renseignerai sur les noms des... Comment... Des transformations. Je suis sûr que ça doit être Dragon Boy. Hein. Dragon Boy, Z, Z, Z. Le gentil Sangohan. Wunderbar. Donnez-moi de l'argent. J'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit. J'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit. Faut des frites pour nous aussi. Qu'est-ce que... Oh, je suis mouru. Attends, quoi? C'est une autre race, ça. L'équipement permet de booster tes points d'attaque et de défense. Mais j'ai gardé mes pièces. J'ai quand même le pognon. Le meilleur arme, ça, c'est à dire lire. Ok. Et j'équipe ça comme... Ah, d'accord, voilà. Alors...
Alors, 3, ça fait 12. Ici, j'avais 3, ça fait 12. Et je suppose que là aussi. Donc maintenant, bah, je comprends pas, j'ai pas d'épée. Bon. Quand on est un dragon, je n'irai plus dans le puits. Apparemment, il y a d'autres choses à faire là-bas. T'as perdu ton assiette, t'inquiète, c'est la première piqûre est gratuite. Non merci, madame. Ok, donc, ben, le puits. Une porte en dessous, mais je suis sûr que... ça ne fait pas grand-chose. Ah, quoique... oh. D'accord, c'est pour remonter au cas où... je ne me sentirai pas prêt. Oh, c'est un cœur à la Zelda, d'accord. Ok, Ocarina of Season. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. ne vous fâchez pas. Je suppose que c'est dans le puits qu'il faut aller, mais y a rien d'autre. Bon ben. Les mystères dévoilés, la mythique antiquité, c'est notre destin, tracer le chemin. Je suis sûr que ça doit être pour rentrer, du coup. Filez-moi de l'argent! Langue de vipère! Il y a bien une chose que je sais faire, c'est récupérer des biniou. Demandez à tous ceux qui ont vu mon let's play de Psychonaut. Il est devenu plus puissant, le coup. Ah, blablabla. Il est en version normale. Oh, c'est pas mal. Ouais, mais ils l'ont imaginé, le bateau, hein. Non, les crabes verts, ils sont plus durs à tuer. Je suis en vie. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, c'est comme les machins dans Mario, là. Mais t'es pas mort encore, mais... ah! Mais c'est... résurrection. Bonjour le cochon. Gardez mes doubles de clés dans le village, jamais de la vie. Bon, on y retourne, et cette fois-ci on essaie de ne pas plonger dans l'eau. On attendait du coup, oui, on a toujours les armures. Non, moi, je m'inquiète parce qu'on a exactement le même nombre d'argent qu'on avait en ressuscitant tantôt. Alors, je vois qu'il est, il y en a déjà... franchement, le jeu, je l'ai vu sur Steam, comme ça, au pif. Et j'ai aussi vu que Benza avait fait une vidéo dessus, mais bon...
J'ai lu un petit commentaire en dessous juste pour me dire. Il parlait justement du. Comment. De la communauté française. Non, reviens. L'animation des. Par contre, les coupes à volant, là, on évite, hein. Ah, d'accord. J'ai essayé de choper le crabe bleu, mais bon. Les flèches vont vers le haut. Alors, dégagez les crabis! Non, je suis pas venu ici pour souffrir! Ça te plaît de te déguiser en gobelin? Extrêmement poilu, on s'y fait rapidement. La clé! C'est donc ça ce qu'il voulait dire. Il ne la cachait pas au village, il la cachait ici! Il faudrait combien pour cette cette armure de gobelin? 180, je l'ai. Par contre pour l'armure, faudrait peut-être que je... On va voir l'armure de gobelin. Les Arman plus 24 de défense. Ah donc son nom c'est les Arman, celui que j'ai là. Donc c'est même pas un dragon, c'est un lézard. L'armure de gobelin, donc ça nous fait plus 24 de défense. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est quoi? C'est le bouclier de maître. Plus 0. Donc de toute façon, même si on l'a acheté, ça nous ferait plus 0. Non, laisse... Vite, on se casse! Non, fous-moi la paix! Toi, la nasse, tu fais pas chier. Oh, il est choqué, le crabe. Le ciel me tombe sur la tête! Ah, on n'est pas venu là. Ah, bah, si, on est venu, mais c'est juste qu'on est venu par la mer. Bon, tant pis pour cette pièce. Non! Mais passe-le! Il faut de tout, c'est vrai. Alors, désolé pour l'interruption. D'ailleurs, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, du coup, il va falloir que je fasse un montage. Mais bon, le monde est réel, m'appelle encore et j'ai encore oublié de fermer ma porte. Vraiment que j'apprenne à fermer ma porte au monde réel. Oh, me dites pas que c'est pas vrai, me dites pas que je dois remonter tout. Oh mon dieu, c'est la chienlit. Allez! You can do it, lizardman. Do it for Mother Russia. Boomerang. Bon ben.
On n'a pas le choix. Mais non, mais il le saut. Oh là, je crois que je vais devenir un spécialiste d'exterminage de poulpes. Ouh, de l'argent. En tout cas, je pense que je vais vous laisser ici. Je crois que l'épisode est déjà bien assez long pour vous. Pour vous assurer du plaisir maximum. Et moi, j'ai du plaisir à faire ce jeu. En attendant que BioShock revienne, je vais essayer donc, une fois que j'aurai fait quelques épisodes de Wonder Boy. On dirait qu'il pète comme ça. Par contre, les serpents, ils avaient une drôle de tronche. C'est pas mieux en dessin, mais bon. Comme je l'avais supposé, j'en suis sûr. Et ça ramène au village. Boing. Oui, j'avais oublié qu'il fallait que je quitte aussi. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre, enfin, à vous abonner, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming à 7 d'avril.